Bonjour tout le monde, on va commencer le cours. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur les coups de genoux et puis les coups de coude aussi. Puis pareil, un petit circuit gainage, cardio aussi, abdos. Voilà. Ok? Allez, on fait le salut. Bonjour tout le monde. Allez, on commence à bouger un petit peu en shadow directement. Après, on étirera un petit peu les jambes. Allez, on commence à bouger déjà. On envoie un peu les coups de poing pour le moment. Coups de poing avant, coups de poing arrière. Voilà, 1, 2, 1, 2, 1. Allez, on bouge. On met les esquives aussi dedans, comme ça on se met déjà en mouvement. Point avant, point arrière. Voilà. Et on bouge. Pensez à bouger le buste, comme ça on esquive un peu les coups. On esquive, hop. Comme ça on commence par les points. Voilà. Uppercut, crochet. Voilà. Allez, juste régler un peu la hauteur. Hop. Ok. Continue un peu en shadow. Ah, les points, les crochets, uppercut, voilà, et on bouge. Voilà, parade, parade comme si c'était des crochets. Voilà. Alors on bloque un crochet, je bloque un crochet qui vient sur le côté. Parade chassée aussi, hein, comme ça on peut y incorporer un peu dans le shadow. Parade, 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 remise, parade, remise, voilà. Allez, on travaille les poings encore un petit peu. Faites un enchaînement et après vous bougez tout de suite derrière. On frappe, on bouge, on revient derrière et on bouge. Voilà, déjà on part et on revient. Voilà, allez, encore sur les déplacements un petit peu. Allez, quand on commence à mettre un peu les coups de pied, on va pas trop vite. Voilà, coup de pied direct, coup de pied direct, circulaire, j'arme bien la jambe. On va doucement au début. Voilà, après on retire un peu plus les hanches. Voilà, allez, on bouge, coup de poing, coup de pied direct, voilà, allez, on accélère un peu sur les poings, allez, c'est parti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, on travaille un peu sur les uppercuts, voilà, uppercut, on passe sur 10 secondes en uppercut, allez, on travaille bien avec les hanches, à chaque fois, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On part sur les crochets pareil. Crochet, crochet. 10 secondes en crochet. Allez, on envoie comme ça, pareil. Le coude part des côtes. Et après, je frappe. Il faut que vous arriviez avec l'avant-bras devant le menton. Comme ça. Voilà. Là, là. Voilà, on accélère. Allez, encore un petit peu. On accélère, on tourne bien les hanches. Voilà, les épaules avec. Voilà, normal. Ok, on travaille un peu sur le coup de genou. Coup de genou, la jambe arrière. On est bien en garde. On envoie. Il faut que vous ayez l'autre bras, le bras opposé, devant le menton. On baisse le menton. On envoie. Et on reste bien caché derrière. Voilà. Ok, on tire un peu avec les deux bras. Là, mais il faut qu'on finisse la course avec le bras opposé devant le menton. Voilà, là. Hop, et je frappe. Voilà, on joue. Pareil. On fait la jambe arrière, on la met. Quoi, la jambe qui est de devant. On la met derrière, j'envoie du coup, pareil, hop, et pareil, il faut que je finisse la course avec mon bras opposé devant le menton. L'autre bras, il descend un petit peu, voilà, on tire, voilà, et on vient piquer devant. On monte sur la pointe de pied à chaque fois. Voilà, là, faites un peu les deux coups de genou, voilà, une jambe, l'autre, voilà, comme ça, on fait déjà bien le mouvement. Voilà, coup de genou, voilà, encore, voilà, hop. Après, on va travailler aussi sur les coups de coude. Donc, on retraille un peu sur les coudes. Coup de coude circulaire. Voilà. Là, là. Donc, il faut que la main, elle passe sous le menton. Voilà. Ok. On part comme ça. Et après, c'est comme un crochet. Là, je fais un crochet. Là, maintenant, je fais un coup de coude. Voilà. C'est juste qu'il y a un mouvement d'épaule en plus que sur le crochet. Voilà. Donc, il y a l'amorce avec le mouvement avec les hanches. Là. Et après, le coude qui part. Là. Voilà. L'autre main, elle est sur le front. Bien sur le front, là, 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 voilà. Après, il y a les coups de coude remontés, comme des uppercuts. Voilà, là, on remonte bien. Voilà, après, on peut piquer aussi, on vient comme si on voulait pousser en fait, on vient piquer avec le coude. Voilà, donc on sort un peu l'épaule, on vient piquer, soit sternum, soit visage. Voilà, et l'autre, elle reste bien en garde aussi, pareil, hop, on peut aussi piquer avec le coude arrière, pareil, coude, voilà. Ok, donc souvent en avançant, hein, voilà, pour avoir un peu de puissance, voilà, dans le coude.
Ok, coup d'arrière, pivote. Et on vient sentir un peu l'épaule. Voilà. Ok, maintenant on combine un peu sur les coups de genoux. On va coup de genou, coup de coude arrière. Donc genou, genou arrière, hop, je pose devant et j'enchaîne avec le coude opposé. Voilà, genou arrière, hop, et le coude opposé. Donc on tombe devant. Voilà, genou arrière, coude. Voilà, genou, coude. Maintenant on va tomber du même côté. Et on va quoi du côté, on va toujours la jambe arrière. Là, hop, et je tombe du même côté le coude. Voilà, ok. Donc genou arrière et coude du même côté. On tombe en devant. Genou arrière, je pose devant et j'enchaîne mon coude circulaire. Après on peut enchaîner en coup de piqué, ce qu'on veut. Hein. Vous pouvez varier un peu si vous voulez. Voilà. Genou, coude. Genou, coude. Voilà. Pareil pour l'autre. Au début, on va la mettre derrière. On rentre en genou. Voilà, donc on change de jambe du coup. On la met derrière. On rentre. Pareil. Soit un coude du même côté, soit un coude opposé. Et vous enchaînez comme ça comme vous voulez. Voilà. Genou, coude. Voilà. Genou, coude. Toujours bien rester bien en garde. Genou, coude. Voilà. On monte bien sur la pointe de pied au moment du genou. Voilà, je tiens bien avec mes bras en même temps. Hop là, coude en tombant. Là, coude. Voilà. Je peux faire un coup de piqué si je veux derrière. Genou, coup de piqué. Du bras avant par exemple. Voilà. Là, piqué. Voilà. Ok. Allez, on combine maintenant un petit peu les poings, les pieds. On sort les coudes. On sort aussi les blocages. Blocage tibia. Je rentre en point. Voilà, je bloque. On rentre en jambe. Voilà. Allez, on enchaîne un petit peu. On accélère un petit peu. Après, on va chauffer un peu les hanches. Voilà. Voilà, allez, on bouge un peu. Et jab, jab, tip, on va en circulaire, tip, je rentre en genou. Voilà, après on va refaire des enchaînements un peu sur la. Voilà, avec les genoux et les coudes. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, on sort les coudes, hop. Voilà. Voilà, c'est des coups assez rapides après au niveau des coudes. Voilà. Voilà. Et après on peut enchaîner avec les genoux. Alors on peut commencer par des coudes. Voilà. Coude, coude avant, genou arrière. Voilà, après il y a plein de combinaisons qu'on peut faire. Coude arrière, genou avant. Voilà. Ok, relâche un petit peu. On va étirer un peu les jambes. Voilà. On part un peu sur des fentes d'abord en statique, puis après on partira en dynamique. Donc du coup on descend sur la jambe avant. Voilà. D'abord en statique. On part un peu plus en mouvement. Allez, en dynamique. Le genou, il reste toujours au-dessus du pied pour devant. Jambe arrière tendue. Voilà. Et je passe sur la jambe arrière. Je reste un petit peu sur ma jambe arrière. Là. Voilà. On repart sur la jambe avant. Voilà. On repart sur la jambe arrière. Et après, on travaille en dynamique. Maintenant. Donc, d'une jambe à l'autre. Voilà. Voilà. Si vous avez descendu plus bas, vous descendez plus bas. Je me suis fait mal ce matin à l'adducteur, donc je ne vais pas descendre trop bas. Voilà, hop. On descend, on remonte. Hop, hop, voilà. On part sur l'autre, on change de jambe. Du coup, je descends sur la jambe avant. D'abord un peu en statique, là, c'est vrai que je ne veux pas tirer trop, donc ça tire davantage. Voilà, donc là, vous, essayez de descendre plus bas. Voilà. Jambe ici, voilà. Et après, en dynamique. Moi, je vais faire doucement. Voilà. Petit mouvement comme ça. Voilà. Et après on passe sur la jambe arrière, pareil. Je ne vais pas descendre trop bas non plus. Donc on descend un petit peu. Si vous arrivez à descendre plus bas, vous descendez plus bas. On donne des à-coups pour descendre plus bas. Après. Voilà. Hop. Et après on enchaîne en dynamique. Donc c'est là où moi je vais aller doucement. Voilà. Voilà. On part. Avant, arrière. Avant, arrière. Voilà. À votre rythme. Voilà. Ok. On va tirer sur les ischios maintenant. Donc jambes tendues, on descend comme ça, pour l'instant en statique, on respire, on va laisser tirer un peu, on part en mouvement maintenant, sur l'expiration on descend un peu plus bas, on inspire, on remonte, ok, on fait pareil avec l'autre jambe, voilà, les deux jambes sont tendues pour cet exercice. Voilà, on tire un peu les fesses en arrière, comme ça tire bien. Je suis bien droit quand je descends. Voilà. Et après, je laisse glisser les mains le long de la jambe. En statique et après en dynamique. Allez, en dynamique et après.
démarre sur le sol, là, on va travailler sur le grand écart latéral. Donc, prenez un tapis pour poser le genou. Voilà. Allez, on descend comme ça, comme on peut. Voilà. Donc pareil, je ne vais pas descendre trop bas. Voilà. Il faut que ça tire bien les ischios, bien derrière. Ramenez votre pointe de pied de devant. Voilà. Et on souffle. Et pareil, une fois que vous avez bien étiré, on part en mouvement. Donc, en dynamique, j'expire, je descends. J'inspire, je remonte. J'expire, j'essaie d'aller plus bas. Ok. On fait pareil avec l'autre jambe. Pareil, commence à part en statique. Et puis après, on part en dynamique derrière. En statique, donc il faut que ça tire un peu. Vous pouvez poser les mains par terre après. Et après, en dynamique. Sur l'expiration, on descend. En inspire, on remonte. J'expire. J'inspire, je remonte. Ok. Et là, on part en facial maintenant. Alors, c'est là que je ne vais pas descendre, vu que je me suis fait mal ce matin. Petite douleur à l'adducteur. Donc, du coup, vous descendez comme vous pouvez. Vous posez vos mains. Moi, je ne vais pas trop le faire. Alors, on est là. On descend à droite, à gauche. Comme ça, en mouvement, en dynamique. Et vous laissez descendre vos jambes. Voilà, jambes bien tendues à chaque fois. Et si vous êtes assez bas, après vous mettez sur les talons derrière. Voilà. Puis avant, arrière aussi, hein, faites des mouvements aussi avec le bassin un peu en arrière. Voilà. Et on revient après. Voilà. Ok, pour bien relâcher, pour bien étirer un peu les jambes. Levez un petit coup. Et on va enchaîner. Voilà. Là, on va refaire un peu des enchaînements avec sur les coups de coude, les coups de genoux. Puis après, on enchaînera sur le circuit. Donc après le circuit, c'est 2 fois 10 minutes, donc ça va bien, bien me fumer en 30-15. Il y aura une pause entre chaque circuit. Hein. Voilà. Ok. Tac, tac, tac. Là, les genoux. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Là, on va voir des enchaînements maintenant sur les. Donc pour mettre des coudes et des genoux. Donc là, gauche-droite, point avant, point arrière. On va dire 1-2. Hop. J'arrive, crochet, quoi j'avance, crochet du point avant, voilà. Et après je vais sortir mon genou, jambe arrière. Ok, donc point avant en direct, point arrière en direct, j'avance, crochet du point avant, je sors mon genou comme si je saisissais aussi avec les mains, je saisis l'adversaire, je saisis, je sors mon genou, je pose devant, j'enchaîne avec un coude. Après le coude on peut sortir celui-là ou celui-là, comme vous voulez. Ok, donc point avant, point arrière en direct, 1, 2, j'avance, crochet du point avant. De la nuque au niveau de l'adversaire, je sors le genou arrière, hop, je pose devant, voilà, coup de coude, coup de coude. Voilà, après je peux aussi poser derrière, ça dépend comment on est placé, d'accord. Voilà, on refait, point avant, point arrière, j'avance, crochet du point avant, je saisis, genou, jambe arrière, je pose coup de coude. Après, pareil, le coude il peut être remonté, piqué, voilà, pareil pour les deux coudes. Donc après, varier un peu pour le coude. Voilà, c'est pas des enchaînements fixes, hein. Voilà, c'est des idées d'enchaînement. Donc, point avant, point arrière, crochet, point avant, genou arrière, coude, coude, voilà. On enchaîne ce qu'on veut derrière. On fait encore un peu. Point avant, point arrière en direct, crochet du point avant en avançant. Quand on avance, il faut que le pied arrière suive aussi. Voilà, j'enchaîne avec le genou arrière. Hop, coude, 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 coude. Voilà, toujours bien en garde à chaque fois. Voilà, continuez encore un peu cet enchaînement-là. Après, on envoie un autre. Voilà. Après, on enchaîne avec gauche-droite et genou gauche. Donc, gauche-droite en direct. Cette fois, j'avance. Changement de garde. C'est comme si l'adversaire avait pris mes deux coups. D'accord, il a reculé un petit peu. J'avance du coup ma jambe arrière. Et j'envoie mon genou, du coup, là. Et je suis. D'accord. Voilà. Donc, 1-2 en direct. Voilà. Après, j'avance. Du coup, j'avance mon pied arrière. Voilà. Donc là, j'ai changé de garde. Et du coup, maintenant, j'envoie le genou qui était devant. Maintenant, il est derrière. Et là, j'envoie, hop, les coudes derrière, pareil pour les coudes, vous mettez celui que vous voulez. Voilà, allez, pareil, 1-2, j'avance, genou, là, et après, je suis avec le coude, coude, comme vous voulez, on peut mettre deux coudes, voilà. Et vous mettez celui que vous voulez aussi, on peut en mettre un, on peut faire un enchaînement de plusieurs coudes, voilà. 1-2, j'avance, genou, coude, voilà. 1-2, j'avance, genou, coude, voilà. Allez, encore un petit peu sur celui-là. 1-2, j'avance, genou, coude. Toujours bien en garde avec l'autre main, d'accord. Voilà, encore un peu.
1, 2, j'avance, genou, coude, coude, voilà. Allez, j'ai enchaîné un petit peu, voilà. Et après, on passe après sur un autre enchaînement, voilà. Je fais encore une ou deux fois, 1, 2, j'avance, genou, coude, voilà. Maintenant, on va faire sur le jab, donc deux fois, donc un doublé du point avant, doublé du point avant, 1, comme ça, on en fait deux, d'accord. Là, crochet un petit peu large, je vais avancer pareil pour sortir mon coup genou, jambe avant, d'accord, après. Donc, point avant deux fois, jab, crochet point arrière, donc un peu large parce qu'on est un petit peu loin. J'avance, change mon garde, j'envoie mon genou. Voilà, ok, le genou qui est du coup derrière après, d'accord. Donc, point avant deux fois, jab, jab, crochet point arrière, j'avance, change mon garde et maintenant j'envoie mon genou arrière. Hop, genou, d'accord. Et pareil, si vous voulez suivre en coude, on peut aussi derrière. Donc, jab, jab, crochet, genou, coude, ça va faire comme tout à l'heure pour enchaîner. Encore, jab, jab, crochet un peu large, voilà, j'avance, coup de genou, coude, voilà, encore un peu, jab, jab, crochet point arrière, j'avance, genou, coude, voilà, encore un petit peu sur celui-là, jab, jab, crochet, j'avance, genou, coude, voilà, faites-le encore une ou deux fois, voilà, après on va travailler après sur le type gauche et genou droit. Voilà, tout simple. Voilà. Donc là, un petit pas avant. Je fais un petit pas avec mon pied arrière. Je me rapproche un peu. Je reviens mon genou. Je frappe. Là, je pose les devant. Boum, je pose un genou. C'est quand l'adversaire se retrouve dos aux cordes. Il s'est pris le type. Il a tiré dans les cordes. Il ne peut plus reculer. Et là, on peut rentrer et piquer avec le genou. Donc là, je suis là. J'avance mon pied arrière. Type. Genou. Voilà. Ok, donc type avant. Type avant. Genou. Voilà. Faire un pas en biais, type, genou, ok, voilà, encore un petit peu, type, genou, voilà, et on pense bien aussi aux mains, d'accord, type, je suis bien en garde, hop, je peux laisser descendre un peu ce bras là si je veux mettre vraiment de la puissance, là, le bras du même côté que la jambe, après je pose devant, genou, je suis bien en garde, voilà, pareil, si vous voulez suivre en coude derrière, on peut aussi, donc type avant, genou, coude, voilà, encore, type avant, genou, coude. Voilà, encore un petit peu. Type avant, genou, coude. Voilà. Ok. On fait la même chose avec le type droit. Type droit maintenant, pareil. Donc je monte mon genou, type. Là, je pose devant du coup. Et j'envoie du coup le genou opposé. Pareil, genou. Ok. Et pareil, vous suivez en coude si vous voulez derrière aussi. Donc type arrière, je pose devant, genou là, et coude. Voilà. Type arrière, je pose devant, genou, coude. Voilà. Type arrière, genou, coude. Après, pareil pour les coudes, hein, celui que vous voulez, droite ou gauche. Piquez si vous voulez, remontez, là, aussi comme ça, hein, d'accord. Descendant, on peut sortir tout ce qu'on veut. Voilà. Type, genou, coude. Voilà, encore une fois. Type arrière, genou, coude. Voilà. Ok. Et maintenant, on va travailler sur un autre coude, donc le coude piqué qu'on a vu tout à l'heure. Je rentre, coude du piqué du gauche, quoi, du point, du coude avant. Coude avant, et genou arrière, tout de suite derrière. Voilà. Piqué du coude avant, genou arrière. Donc c'est piqué visage. Donc là, on doit vraiment avancer. On avance, voilà. Ah. Bien en garde. On pique, et on rentre en genou. On pique, on rentre en genou. Voilà. Pique. Voilà, ça c'est pour ouvrir la garde. L'adversaire est bien fermé. Le coude passe au milieu. Ça capte un peu la garde. Et après on peut suivre derrière. Donc pareil. Coude, genou. Donc la main elle est du côté de l'oreille. D'accord. Tout à l'heure elle passait sous le menton. C'était un circulaire pour le coude. Là c'est un piqué. C'est pareil pour un remonté. Un remonté, un hypercut comme ça. La main elle est du côté de l'oreille. Là. Ici, comme ça. Et là, donc ça, c'est un piqué, donc il ne remonte pas, mais il pique. Voilà. Là, je pique. Ok. Et donc la main, elle est bien vers l'oreille. Voilà. Voilà. Ok. Alors, donc, piqué, coude avant, genou. Après, pareil, on peut suivre encore en coude. Voilà. Piqué, genou, coude. Voilà. Piqué, genou, coude. Voilà. Toujours bien en garde. La garde bien haute, là, dès qu'on rentre en coude, il faudra la garde beaucoup plus haute que si on était que avec les poings, un boxeur en anglaise, que les poings. Là en taille on est assez haut, hein, vers les fronts, vers le front.
Voilà. On pique, on rentre. Voilà. Ok. Continue encore un peu celui-là. On passe à un autre après. Voilà. Ok. Donc là, on enchaîne du coup le coude, piqué, coude arrière en circulaire. Et après, pareil, vous saisissez, soit vous saisissez du même côté, du coup là, et on envoie le genou du même côté que le coude. Donc piqué, piqué du coude avant, coude arrière, genou arrière par exemple. Ou alors piquer du coude avant, coude arrière, et j'envoie mon genou opposé. D'accord ? Donc piquer du coude avant, coude circulaire, du coude arrière. D'accord ? Là, je saisis adversaire, genou. Voilà. Piqué, coude, genou. Voilà, donc pareil, j'avance bien sur le piqué. J'avance, j'ouvre la garde, je rentre en coude, je termine sur un genou. Voilà, donc là, le genou du même côté. Maintenant, on fait l'autre. Piqué, coude arrière maintenant, en circulaire. Et là, genou, jambe avant. Ok ? Voilà. Piqué, coude avant, coude circulaire, j'avance, genou. Voilà. Donc après, amusez-vous à faire les deux, hein, comme vous voulez. Voilà, je vous remontre le deuxième du coup. Piqué, coude, genou. Voilà, encore. Piqué, coude, genou. Voilà. Ok. Et on va travailler sur un dernier enchaînement. Donc du coup, voilà. Donc on va travailler en doublé sur un circulaire. Donc low kick d'abord, low kick jambe avant. Donc là, doublé, middle. Je rentre en genou et coude, pareil derrière. Ok, ça va taper à l'intérieur de la jambe de l'adversaire, ça déséquilibre. On met un deuxième middle et après on suit encore en genou. Voilà, ok. Du coup, low kick, doublé middle, là, genou, coude, et pareil le coude, celui que vous voulez. Coude avant, coude arrière, ce que vous voulez en coude. Voilà, donc low kick avant, doublé middle, je pose, genou, après je pose devant, coude. Voilà, et le coude pareil, du côté que vous voulez. Donc, low kick, doublé middle, genou, coude, je reviens en garde. Voilà, low kick, doublé middle, genou, coude. Voilà, varier un peu les coudes hein, derrière. Voilà, encore un peu, low kick, doublé, genou, coude. Voilà, encore un petit peu, low kick, doublé, middle, genou, coude. Voilà, encore quelques fois, low kick, doublé, genou, coude. Allez, encore une dernière fois, low kick, doublé, genou, coude, ok. Buvez un petit coup, puis on enchaîne après sur le gainage. Voilà. Tac, tac, tac. Donc on va travailler sur la planche, hein, comme souvent on fait. Donc, soit vous mettez sur les mains, soit vous mettez sur les pieds. On lève bras et jambes opposés. Si on n'arrive pas, on est en planche. On lève bras, c'est où, c'est bras droit. Voilà, bras et jambes opposés, d'accord. Hop. Après, on lève l'autre, ok. En étant sur les coudes ou alors sur les mains. Ok. C'est vous qui choisissez. Pour celui-là, on part sur une 30. Donc après, essayez de tenir le plus longtemps possible avec un bras et jambes levées. C'est-à-dire que je tiens 10-15 secondes comme ça, bah, je tiens 10-15 secondes. Si j'arrive à faire 20 ou 30, bah, j'ai 30 secondes. Voilà. Et après, on fera en dynamique. Donc, sur une minute, on essaie de tenir à peu près 15-20 secondes, voire plus, en étant levé, comme ça, d'accord ? Bras et jambes opposés. Et après, on le fera en dynamique. Voilà. Allez, de toute façon, je vous le redis en même temps. Allez, on attaque. Donc, là, la planche. Moi, je vais mettre sur les coudes parce que je me suis fait mal ce matin à l'adducteur. Allez, c'est parti. On y va. Allez, top. Donc, là, on lève les coudes. Donc, un bras. Une jambe opposée, tenez ce que vous arrivez à tenir, hein. On respire bien, c'est 20 secondes, là vous pouvez changer de côté. Pensez à bien respirer, on rentre bien le ventre aussi au maximum. Encore 15 secondes si vous arrivez à tenir encore un peu. Après 10 secondes, on va essayer d'alterner rapidement. Donc si vous n'arrivez pas à lever un bras et une jambe en même temps, vous voulez qu'un bras à chaque fois. Voilà, ok, là je suis en dynamique.
Bras et jambes opposés. Voilà. Si j'arrive pas, je fais un bras, un bras, un bras. Voilà. Ok, encore 20 secondes. Si on arrive, bras et jambes opposés, sans laisser trop de pause. 15 secondes. Secondes. 3, 2, 1. Ok, relâche. Souffle un peu. On va partir sur le gainage de côté. Donc là, on lève, soit on lève la jambe du dessous, soit la jambe du dessus. Donc soit sur la main, soit sur l'avant-bras, au choix. Donc là, j'ai les deux pieds posés. Après, je peux très bien lever une jambe. Après, je peux aussi lever la jambe qui était en dessous. Je la lève, c'est plus dur celle-là. Voilà. Ok, vous gérez sur la minute. Allez, on y va, on attaque. 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Allez, on part pour une minute. Tiens un peu, jambe de dessous levée, si on y arrive. Après, on peut changer. On lève la jambe du dessus. On peut faire des mouvements aussi avec la jambe. Voilà, après on peut revenir à nouveau sur la jambe qui se lève, celle du dessous. Allez, reste 20 secondes. C'est plus dur hein, quand on lève celle du dessous. 15 secondes, il reste. 10. Après, on fait l'autre côté. 5 secondes. Ok, relâche. Ok, respire un peu. Tiens sur l'autre côté, pareil. Même principe. Allez, 10 secondes et on rattaque. 5 secondes, pareil pour une minute. Allez, 3, 2, 1, top, en position. Allez, pareil. Un peu la jambe du dessous qui se lève. Respire bien à chaque fois. Hein. 20 secondes. Plus de 20 secondes. Normalement, on sent bien les obliques là qui travaillent. 15. Wow. Plus de 10. Donc là, prenez votre tapis et puis prenez les haltères si vous avez des haltères ou alors à vide. Allez, on part sur une 30. Par contre, on fait des pauses. Voilà, qu'on soit avec haltères ou sans haltères. Donc vous pouvez faire des pauses pendant la minute 30, mais le minimum de pauses possible. Voilà, donc avec les haltères, on va allonger, on fait les mouvements, d'accord. Hop. Là, je vous montre une fois avec les haltères. Après, vous pouvez faire la même chose sans les haltères. C'est plus léger, mais ça bosse quand même. Voilà. Du coup, là, on tend, on revient. Ok, ou alors je peux faire aussi des montées comme ça, d'accord. Avec ou sans haltères. On part pour une 30. Allez, c'est parti. Donc, faites des pauses hein, si jamais. Voilà. Attends, je vais changer ça parce que sur la plat ventre, c'est pas le top. Hop. Allez, on y va. Top, c'est parti pour une 30. Donc levez les jambes aussi, ça vous fait travailler les fessiers en même temps. Et vous pouvez combiner tous les exercices en même temps. Dans la seconde.
prise inter, faire des pauses, hein, parce que ça fume. Et c'est 10-15 secondes de pause quand on est avec les haltères. Allez, encore 35 secondes, il reste. Allez, 25 secondes. Sur les abdos. Voilà. Dans le premier, alors gardez les haltères à côté de vous. Vous en avoir besoin pour faire les crunchs avec les haltères. Voilà. Le premier, vous enlevez le tapis. On va faire les mouvements avec les jambes là. Quand on est sur les pieds, mains et pieds, on ramène deux genoux. Là, on repart. Voilà, on travaille sur 30 secondes, après à peu près 10 secondes pour se replacer, pour enchaîner les autres exercices. Après c'est les crunchs avec haltères, après on monte le bassin quand on est sur le dos, voilà. Après on fait les obliques sur le côté, donc sur l'avant-bras, comme en gainage, hein, sauf que là on travaille en mouvement cette fois, 30 secondes, après on change le côté, 30 secondes de l'autre. Voilà, et après c'est les obliques avec les haltères quand on est sur les fesses, voilà, et on tourne comme ça quand on est sur les fesses, avec les haltères, ou sans haltères, au choix, ok. On fera les lombaires après. Allez. Alors du coup, pas dans les tapis. On enchaîne du coup sur 30 secondes là. Allez. Donc là, le premier, c'est sur les mains. En position de pompe, on ramène les genoux, les pieds. Et les genoux du coup. Allez, top, c'est parti. 30 secondes. Et après, c'est les crunchs. Voilà. Voilà. Donc là, on ramène les deux pieds en même temps. Soufflez bien à chaque fois. Hein. Et rentrez bien le ventre au maximum. Allez, 15 secondes encore. Allez, encore 5 secondes. Ok, relâche. Ok, donc là on part sur les fesses. On fait les crunchs avec halter ou sans halter. Voilà. Allez, on attaque. 2, 1. Donc là, on a l'haltère ici. On remonte. On tend les bras ici au-dessus de la tête. On redescend. On remonte. Encore. 5 secondes. Ok, relâche. Maintenant, c'est les montées de bassin. Quand on est sur le dos. Donc après, soit on n'enroule que les genoux, d'accord. Soit on arrive à monter le bassin, jambes tendues. Top, c'est parti. Allez. Soufflez en montant. Prenez le minimum d'élan avec les jambes. Et après, on peut enrouler si on est cramé au niveau des abdos. Encore 5 secondes. Ok, relâche. On passe sur les obliques. Donc, deux côtés, 30 secondes. Allez, on y va. 3 secondes, 2, 1. Top. Donc là, en mouvement, on frôle le sol et on remonte. Soufflez en montant. On frôle le sol, on remonte. Encore un peu. Allez, 10 secondes.
5. Ok, change de côté. Oh, c'est chaud. Allez, pareil. 30 secondes. 2, 1, top, c'est parti. Soufflez en montant. Secondes. Dix. Cinq. Top. Ok. Reprenez votre tapis. Vous mettez un coussin sous les fesses. Sans se faire mal au coccyx. Allez. Hop. Là. À terre ou sans à terre, au choix. Allez, puis là, du coup, on tourne. Jambes levées, on tourne. Voilà. Ok, top, c'est parti. 30 secondes. On tourne bien les épaules. C'est pas les mains qui bougent. Les mains, elles suivent les épaules. C'est mes épaules qui tournent. Je travaille mes obliques. Je dois bien les sentir, normalement. Allez, encore. 15 secondes. Rentrez toujours bien le ventre. Et plus on tend, plus c'est dur. 5 secondes. Ok, relâche. Respire un peu. On fait une série de lombaires. Donc avec ou sans haltère, comme vous voulez. Allez. C'est parti. Bon, je travaille sans haltère. Allez, on part sur une minute. Allez. Là, on travaille un peu plus longtemps là. Allez, s'il faut en faire un peu plus pour que ça chauffe. Allez, top, c'est parti. Les lombaires, remonte bras et jambes. Et après, on fait un deuxième tour, le même. Après, on peut rester en gainage un peu en haut. Allez, c'est les 20 secondes. Après, on peut tendre les bras, revenir. Sans haltère, hein, voilà. On repart sur des mouvements. Il reste 25 secondes. Soufflez bien en montant. 20 secondes. Après, on peut aussi ramener un peu les omoplates un peu dans le dos. En même temps qu'on monte, je resserre un peu les omoplates. Je monte, je ramène les omoplates dans le dos. 5 secondes. Ok, voilà. Ok, respire 2 secondes et on repart sur le circuit. Ouais. Ouais. Donc abdos encore, pareil. On fait le premier exercice. Donc on ramène les deux jambes. On est sur les mains en position de pompe. Allez, récupère un peu. Dans 10 secondes, on rattaque. Allez. Donc sur les mains, on ramène les genoux. Allez, 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Sur les mains, allez. Hop. On ramène, on ne monte pas trop les fesses. On essaie de rester bien en gainage. Soufflez aussi en même temps. Rentrez le ventre. 15 secondes. Allez, encore 5 secondes. Ok, crunch avec haltère ou sans haltère, au choix. Hop là. Allez, attaque. Allez, 5 secondes en attaque. 2, 1, top, c'est parti. Crunch. Pas d'élan, hein. Encore 10 secondes. Top,
c'est parti, montée de bassin. Ou alors on enroule les genoux. Top, c'est parti. Moi je commence par les montées de genoux pour monter de bassin et après j'enroule. Quand j'arrive plus trop à monter. Encore. Encore. 6 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, on passe sur les obliques, sur l'avant-bras. Hop. Allez, c'est parti. 30 secondes. Top, c'est parti. Soufflez en montant. Foulez le sol et on remonte. Secondes. Dix secondes. Cinq. Ok. L'autre côté. Allez, c'est parti. Trois, deux, un. Top, c'est parti. Allez, pas trop vite. Cherchez la contraction à chaque fois au niveau des abdos. Donc là, c'est bien les obliques qui travaillent. Mettez la main dessus si vous voulez vraiment les sentir. Qui se contracte. 15 secondes. La terre. Allez. Là, allez. 2, 1. Top, c'est parti. Rentrez bien le ventre aussi en même temps. Ok, on fait une dernière fois les lombaires sur le ventre. Pareil, sans haltère. On fait sur une minute. On peut aussi, là, donc pour les lombaires, monter bras et jambes opposées. Voilà, ça fait travailler différemment. Allez, top, c'est parti. Donc bras et jambes opposées. Un bras, l'autre jambe. Concentrez-vous sur les fessiers aussi quand vous montez la jambe. Après, on peut faire les deux en même temps. Soufflez bien en montant. Hein. Allez, pas trop vite. Après, on peut rester un peu en gainage en haut. Allez, reste 25 secondes. Allez, 20 secondes. Et on peut repartir en mouvement. Deux bras, deux jambes. On fait les opposés. Allez. 7 secondes. 3, 2, 1. Ok. Relâche. C'est bon pour le renfort. Buvez un petit coup. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Donc là, on va juste faire un peu de pompe, un peu de flexion. On n'a plus besoin du tapis. Les haltères, gardez-les pas loin. Haltères, un élastique pour les jambes. Un élastique pour les jambes. Et une chaise qui vous calez contre un mur pour faire les triceps quand on est dessus. D'accord ? Je vous dirai, d'accord ? Triceps, mais là, on appuie sur la chaise. On descend, ok? Épaules
au niveau des coudes quand je descends. Ok, je travaille bien sur les triceps. Ok, on va faire une traction avec la table aussi. Si vous n'avez pas de table, vous refaites les lombaires comme on a fait avant, avec haltère ou sans haltère. Voilà, ok. Donc là, on fait juste un peu de montée de genoux, talons aux fesses, pour chauffer un petit peu en cardio. Allez. Hop, c'est parti. Allez, top. Allez, montez de genoux un petit peu, histoire de faire monter un peu le cardio. Voilà. Sur à peu près 30 secondes. Faites des pieds un peu rapides. On travaille les bras aussi en même temps. On refait les grands. On essaie de propulser un peu plus haut. Très bien avec les bras aussi en même temps. Petit un peu rapide. Allez, encore 5 secondes, après on fait les talons fesses. Allez, talons fesses. Donc après c'est du 30-15 qu'on va faire. 30 secondes, 15 secondes de pause. Et on change d'exercice à chaque fois. On va travailler un peu tout le corps. Allez, on part sur les jumper jacks. Un peu. Allez, devant. Et 15 secondes encore. Ok, allez, quelques flexions, ça prend, on va en refaire derrière. 20 flexions, petite pause, 20 flexions sur derrière, quelques fentes. Allez, top, c'est parti. Flexion d'abord. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, récupère un petit peu. Voilà, on fait 20 petits sauts. Allez, flexion en amorti, on saute. 20, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok. 10 fentes sur chaque jambe. 10 fentes sautées en alternant. Voilà. Allez. C'est parti. 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Deux secondes. Allez, 10 sur l'autre. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh. Récupère un peu. On fait les fentes alternées. Allez, 10. Donc 5 de chaque côté, du coup. Allez. 1, 2, on amortit bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Récupère un peu. Faites une série de pompes. 10, 20, 30, ce que vous arrivez. Après, on fait avec la table comme on a déjà fait les autres fois. Traction, tirage. Voilà. Allez, faites vos pompes. C'est parti. Allez, 30 secondes pour les faire. Prenez votre temps. Allez, c'est parti. Allez, pas trop vite, c'est une série de chauffe là. Voilà, allez, encore 2-3 secondes pour finir. On fait traction tirage avec les. Avec la table, vous pouvez plier vos jambes si vous voulez. Je vous montre avec la table.
Voilà. Ceux qui n'ont pas encore fait, les mains, vous les mettez voilà, bien placées pour que ça glisse. Écartez bah, comme vous pouvez. Hein. Voilà, un peu plus large que les épaules. Jambes pliées pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude. Jambes pliées et je tire. Si mon jambe tendue, c'est plus dur. Et on tire, ok? Allez, pareil. Donc, je vous laisse 30 secondes pour vous chauffer avec ça. Parce qu'on va le refaire dans le circuit, ça, après. C'est parti. 30 secondes pour travailler. Soufflez bien longtemps. Concentrez-vous bien sur le dos. Omoplate bien ramenée dans le dos. Omoplate bien serrée dans le dos. Et on tire. Voilà. C'est pas que les biceps qui travaillent. Il faut vraiment sentir le tirage. Ok. Alors ben là, ça va être bon. Ok. Donc là, après pour la torture, il y a un petit coup. Et là, c'est fractionné, donc ça dure 10 minutes. Petite pause et on refait 10 minutes le même exercice. Donc je vous annonce à chaque fois l'exercice d'après. D'accord ? Donc là, c'est montée de genoux rapide. Alors vous faites des grands mouvements ou des petits comme vous voulez. Et après, pompe sautée ou pompe normale. Ok ? Chacun va à son rythme. Allez, 30 secondes, 15 secondes de pause. Je vais égorger sinon je vais mourir. Allez, mets ça aussi du cardio. Mettez le cardio aussi, c'est bien pour savoir à combien vous montez au niveau du fractionné et du cœur. Pour voir si vous récupérez aussi un peu. Voilà. Allez, on attaque. Allez, donc là c'est montée de genoux. Allez. Top, c'est parti. 30 secondes. Montée de genoux. Allez. Donc là, il faut que ça monte hein, sur 10 minutes, il faut que ça fume le cœur. Donc là, c'est montée de genoux, après c'est bon de sauter. Continuez. Et après, ce sera squat avec élastique. Donc après, pompe sauter. Et après, squat avec élastique. Allez, 10 secondes encore. Ok. Récupère un peu. Bon, là, c'est facile pour l'instant. On peut rester un peu mouvant pour récupérer tranquille. Faire un peu de shadow. Voilà. Allez, on se place. On fait les pompes. C'est parti, sautez ou normal, comme vous voulez. 2, 1, top, c'est parti. Secondes. Et quand on peut plus, on reste un peu bras tendus, en gainage, et on refait derrière. 10 secondes, il reste. 5. Ok, relâche. On prend l'élastique, squat avec l'élastique. C'est parti pour les squats. Allez, à votre rythme. Respirez bien en descendant. Dos bien droit. On se penche un peu en avant. Allez, 5 secondes. Ok, relâche. Là, on enchaîne les coups de genoux sur 30 secondes. Soit en dynamique, soit à terre. Bam, bam, on envoie comme ça. Un peu plus en puissance. Top, c'est parti. Bon, je vais faire ce sans sauter. Comme ça, je travaille un peu la vitesse, la puissance. Un peu. Voilà. Vous en faites deux à la fois. L'un après l'autre. Ou alors. Voilà. Allez, encore. 10 secondes. Encore. Ok. On enchaîne sur les jumper jack. Donc plus rapide qu'à l'échauffement. Allez, 5 secondes. Jumper jack, rapide. Top.
bon. Avec la table, ce qu'on a fait à l'échauffement. Pareil, 30 secondes, donc faites de la vos séries comme vous pouvez. Allez, 5 secondes en attaque. Allez, 2, 1, top, c'est parti. Prenez votre temps pour le dos, concentrez-vous sur le mouvement. La quantité, c'est pas important. Concentrez-vous sur le dos. Qui se contracte et pas les biceps. Encore un peu. Allez, 5 secondes. Ok, relâche. Là, tac, tac, là. Les pompes Spider-Man. On descend en pompe, on ramène un genou. Donc en pompe au sol, du coup. Allez, 5 secondes. Allez, à votre rythme, top, c'est parti. On fléchit, on ramène un genou. On fléchit, on ramène un genou. Soufflez en montant. Descendez comme vous pouvez. Hein. Si vous n'arrivez pas à descendre en pompe, faites juste les montées de genoux. L'un après l'autre. 10 secondes. Ok. Ok. Coup de poing à 30 secondes. Et après, c'est les fentes alternées en jambes. Donc, coup de poing à 4. Voilà. C'est bon. On y va. Allez, top, c'est parti. Coup de poing. Accélérer un peu, mais on tend pas les bras à 100%. Hein, les bras ne sont pas, pas tendus, d'accord. Je reste un peu plié. On passe en mal au coude. Uppercut, crochet. Allez, encore 10 secondes. Encore un peu. 2, 1, top. Ok, on pose les haltères. Faut alterner. Allez, 2, 1, fente alternée, c'est parti. Allez, après c'est les coupures en sautillant. Poussez bien avec vos deux jambes et amortissez bien avec les deux jambes. Prenez votre temps pour bien amortir. Encore. Allez, 10 secondes. 5 secondes. Ok. Respire un peu. Allez. Là, coup de pied en sautillant. Et après, on fera les triceps sur la chaise. Allez. 3 secondes. 2, 1. Coup de pied. Allez, moi je vais doucement. Parce que j'ai mon adducteur. Allez. Voilà. 5 secondes encore. On change de jambe. Pareil. 10 secondes encore. Top. Récupère. Triceps sur la chaise. Hop. Et après, ce sera le biceps avec les haltères. Après. Donc, triceps pour le moment. Allez. 2, 1, top, c'est parti. Jambes tendues, c'est plus dur. Jambes pliées, c'est plus facile. Inspirez, on descend. Soufflez, on monte. 15 secondes. Après, on peut aussi descendre doucement. Montez vite, pour ceux qui ont l'habitude.
Ou alors enchaîner rapide. Ok. Relâche. Okay, 15 secondes. Prenez vos haltères ou élastiques hein, si vous n'avez pas d'haltères. Allez, 5 secondes en attaque. Allez, top, c'est parti. Biceps. On gagne les abdos. Et en alternance, les bras qui travaillent comme ça. Gagnez bien les abdos, quand on est bien stable. Pliez un peu vos jambes, le corps est droit. Les coudes ne bougent pas. Et on tend comme on peut les bras, ok? Voilà. On tend, on ramène. On va pas à 100%. Encore 5 secondes. Ok, on pose. Voilà. Là, biceps haltères. Et là, on finit par accélération coup de poing. 30 secondes où on bourrine un peu sur les poings. Allez, 5 secondes. 2, 1. Top, c'est parti. Allez, on bourrine un peu avec les bras. En vitesse, en direct, en crochet, en hypercute. On tourne bien les épaules. Tournez bien vos épaules pour bien envoyer avec le poids du corps. Voilà. Encore 15 secondes. On peut doubler un peu gauche. Allez, 5 secondes. Allez, encore. 2, 1. Ok, relâche. On récupère un peu. On va laisser une 30 de récup. Voilà, et après on rattaque. Donc deuxième tour, le même. Allez, récupère un peu. Si vous avez déjà récupéré un shadow, on récupère, on bouge. Ouais, il faut une table haute hein, là, pour Stéphanie. Ouais. Qui arrive au moins à 70 cm voilà, de hauteur pour bien travailler. Allez, on va rattaquer. Allez, dans 30 secondes, on rattaque. Lui, un petit coup. Ouh. 20 secondes. Donc, c'est le même circuit. Donc, là, on commence par les montées de genoux, bien rapide. 10 secondes en attaque. Allez, on y retourne. Allez, attention. 3, 2, 1, montée de genoux, rapide. Allez, top, c'est parti. Allez, montée de genoux et après, c'est les pompes sautées. Sauter ou pompe normale. Allez. 5 secondes d'attaque. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 15 secondes. Avec élastique. Allez, attention, en place, 5 secondes. Allez, 2, 1, top, c'est parti. Ok.
coup de genou. Allez, 5 secondes. Allez, coup de genou, c'est parti. Empile bien la jambe, elle est bien, bien pliée. La jambe qui frappe pour que ce soit bien pointu au niveau du genou. Allez, encore 10 secondes. Cherche un peu de vitesse sur les coups de genou. 5 secondes. Ok, respire. Jumper jack. Secondes. 2, 1, top, c'est parti. Pareil, on va vite. Il faut que ça monte le cardio. Encore un peu. 5 secondes. 3, 2, 1, top. Ok. Dos avec la table. Allez. 5 secondes d'attaque. Donc pareil, tirage. 2, 1, top, c'est parti. Gardez bien les omoplates bien serrées dans le dos. Et on se concentre sur les dorsaux qui tirent. Les biceps sont secondaires. Encore un peu, 10 secondes. 5 secondes. Relâche. Là, c'est les pompes Spider-Man. Pompes Spider-Man. Allez. 5 secondes en attaque. 2, 1, top, c'est parti. On descend, on ramène le genou. Coup de poing à calter. Coup de poing à calter. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Uppercut, crochet, on met un peu de tout. 15 secondes. Allez, on tient sans baisser les mains. 2 secondes. Ok, on pose les haltères. Fente alternée. Et après, c'est coupé en soutien. 2, 1, top, c'est parti. Fente alternée. Après, ça n'a plus de jambes, on fait en squat ou en fente sans sauter. 5 secondes. 2, 1, ok. Ok. Coupé en sautillant. Top, coup de pied.
5 secondes encore et après on change de jambe. Ok, l'autre jambe. Ok, récupère. Triceps sur la chaise. Allez, bientôt la fin. Allez, 5 secondes d'attaque. Triceps. Allez, top. Si vous n'avez pas l'habitude, allez pas vite. Ceux qui connaissent, vous pouvez aller vite. Ou alors descendre doucement. Et je monte vite, sans céder les jambes. 10 secondes, il reste. 5. Ok. On prend les haltères, on fait les biceps. Et après, on finit par le coup de poing dans le vide. C'est le dernier. Avant-dernier. Top, c'est parti. Biceps. Gagnez les abdos. Maîtrisez l'exercice. Allez pas trop vite si vous ne connaissez pas trop. Donc il faut quand même respirer, inspirer, expirer, d'accord. On est toujours en mouvement, quoi. 10 secondes. Ça congèle ça un peu. 5. Ok. Allez, on finit par les poings en vitesse. Après, on fera un petit peu de shadow pour récupérer un peu. Allez, 2 secondes. Allez, shadow, 30 secondes rapide. Juste les poings. Hypercute rapide, direct, crochet. Voilà. Allez, 20 secondes. Les bras sont congestionnés, hein, c'est normal. Allez, 10 secondes. Allez, 5 secondes. Ok, relâche. Buvez un petit coup et on finit par un peu de shadow, tranquille. On revoit un peu les genoux, les coudes, pour récupérer un peu. Respire encore un peu. 10 secondes et on fait là un peu de shadow tranquille. On revoit un peu les enchaînements, on sort les genoux, les coudes. Là c'est plus relax. Hein. Allez, on part sur 2 minutes. Ça se fait descendre un peu le cœur. Allez, top, c'est parti. Allez, on travaille un peu les poings. Poings, genoux, coup de poing, crochet, genou. Si on a senti un genou, on sort un coude, soit un coude opposé, soit un coude du même côté. On travaille les coudes remontés, on travaille les piquer, voilà, piquer, circulaire derrière, circulaire, 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 remonter, piquer, d'accord, c'est pas le même. Hein. Piquer, c'est quand la garde est bien fermée, d'accord, et on cherche à l'ouvrir. Et le remonter, là, c'est quand la garde est déjà un petit peu ouverte, et du coup on peut passer à travers. Voilà, là, remonter, remonter quand on hypercute. Voilà, la main du côté de l'oreille, là, voilà. Allez, on combine les poings, après un crochet, je peux sortir un coude, crochet, point avant, genou arrière, coude, voilà, genou, coup de piqué, voilà, genou, coude, voilà, jab, jab, crochet, point arrière, genou, jambe avant, jab, jab, crochet arrière, genou avant, attention en coude, celui que vous voulez en coude, jab, jab, crochet droit, genou, coude, voilà, type, genou, d'accord, genou, coude, voilà, type, genou, coude, voilà, on sort un peu, on combine un peu, voilà, le doublé qu'on avait fait en low kick, doublé middle, genou arrière, coude, voilà, low kick avant,
de l'avant, genou arrière, coude. Voilà, ok, on combine encore un peu tout ça, encore 15 secondes. Voilà, genou, genou, percute, crochet, bam, genou, coude, 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 genou, coude, voilà, voilà, voilà. Allez, encore un petit peu. Ok, relâche un peu. Allez, on finit par un petit peu d'étirement. Allez, on tend les bras. On va un petit peu en arrière avec les bras. D'accord. On passe sur le côté. On respire tranquillement. Tendez les bras. On récupère un peu. Ok. Allez, jambes tendues. On descend comme on peut. On les descend les mains tranquillement. Le long des jambes. Voilà. Laissez pas prendre les mains dans le vide. D'accord. Vous tenez quelque chose, les genoux, les chevilles. Respire tranquille. Puis les jambes, on déroule tout doucement. Voilà, on se redresse. On tend bien les bras. Un coup de bras droit, un coup de bras gauche. Voilà. Ok. Allez, pour le dos un petit peu. Donc, on ramène un peu les omoplates dans le dos, comme ça, là. Je creuse un peu là et j'arrondis, je pousse avec les mains et je pousse avec le dos. Voilà, après je reviens pareil, je ramène un peu les omoplates dans le dos, je pousse. Voilà, d'accord. J'inspire, je vide le ventre. Voilà, j'inspire, je ramène les premiers les omoplates derrière et je pousse à nouveau. Je fais le dos rond. Voilà, ok, tout bon pour aujourd'hui. Et ben, merci d'avoir été là. Allez, et puis ben, de toute façon, samedi, donc pareil, 10h30. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ben, à samedi. Allez, bonne soirée.